une grosse production à proposer à Céline Salette. Attention, un rôle, super production de fin d'émission. Une comédie. Attention, le rôle arrive, c'est le rôle d'Hillary Clinton. Ah, donc je vais jouer. Mais bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tous les invités, le sketch de fin. Bill Clinton, c'est Hippolyte Girardot. Barack Obama, c'est Guillaume Meurice. Et ce soir, Bill est censé entrer dans l'arène pour la candidature de sa femme. Attention, qu'est-ce qui se passe quelques heures avant? J'ai rien compris, je sais pas ce que je vais jouer. Hillary Clinton. Bon, Lily, qu'est-ce que je dois dire? D'abord, tu vas arrêter de m'appeler Lily. Pardon, Hillary. Non plus, Madame Clinton. Ah oui, carrément. Elle a raison, Bill. Tu sais, William Jefferson Clinton, les gens sont déjà surpris que je te parle encore, ok? Mais tout ça, c'était passé. Non, non, Bill, on s'en souvient tous. Mais je fais même plus de cigares. Bon, qu'est-ce que tu vas dire ce soir? Barack, comment vous avez fait pour... Barack, comment vous avez fait pour vous faire lire? Je suis noir. Oui, je vois, mais là, je ne peux rien faire, moi. Mais pas du tout, tu es une femme, toi aussi t'as un handicap. Mais il va fermer sa gueule, le blanc bec. Oh, pardon, moi c'est pour aider. Oui, si c'est pour dire des trucs aussi cons que Trump, on n'en a pas besoin, merci. Non, mais si, justement, je te rappelle, Barack, que ce sont des Américains qui votent. Ah oui? Ce sont les habitants de la région, ce sont comme les habitants de la région PACA. Ah oui, dans ce cas-là, ils vont voter Trump. Il est aussi bronzé qu'Estrosi. Bon, ça suffit. Il faut qu'on trouve quelque chose qui me rende sympathique auprès des électeurs. J'ai une idée. Ah merde, on est foutu. Il faudrait que tu trompes ton mari. Bill, tu craques là. Non, non, c'est une excellente idée. Une idée de moi? Félicitations, monsieur le président. Monsieur Cadeau, mais bien sûr, mais ce serait juste pour la presse. Non, non, il faut que je te trompe. Comme ça, on fera... On verra que je ne me laisse pas faire. Voilà, tu as vu, Hillary. Tu m'as trompé, mais... Non, non, je vais te tromper. Non, elle a raison. Comme ça, on verra que quand on attaque Hillary, elle se venge. Méfie-toi. Kim Jong-il. Tu es sourd, Hillary. C'est un président coréen. Non, Lily, tu vas pas. Aidez. Non, Lily, tu vas pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, Madame Clinton, il serait préférable de ne pas aller au bout de l'adultère. William Jefferson Clinton, si vous avez utilisé votre sagia comme un porte-cigare, c'est votre problème. Moi, j'irai au bout. Bill, c'est pour le pays, pense-y. Oui, bon, bah alors, je peux rappeler Monica? William Jefferson Clinton! Pardon, je vous demande pardon d'avoir posé cette question, Madame Clinton. Je vous demande pardon, mon petit Lulu. Je vous pardonne, mon petit Lulu. Deux verres de champagne. Et oui, et l'accent, et la lecture, et les présidents nord-coréens, tout ça, c'est difficile. Mais Jong-il, je crois. Mais c'est pas grave, on avait la santé de Michel Galabru. Moi, je m'en fous pour mon CV, c'est cool, hein. Hippolyte Girardot, Céline Salette. Céline Salette. Oui, mais personne n'a tourné ce film. Il n'y a aucune caméra. Il y en a là. Il n'y a pas de réalisateur. Céline Salette, vous pouvez nous refaire un. Vous pouvez nous refaire un William Jefferson Clinton, c'était tellement bon. William Jefferson Clinton. Ça vous va bien. Voilà, c'était un blockbuster américain avec Céline Salette, Hippolyte Girardot et Guillaume Meurice.